non, c'est ça, non. Horrible. Ouais, c'est vrai que c'est chaud en fait. Salut, ça va ou quoi les gars? Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans une nouvelle vidéo, installez-vous, je vous en prie. Salut Michel, ça va, installe-toi, allez-y, 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 non mais prenez le temps, allez-y, installez-vous. Comment ça va les gars? Je suis encore une fois trop content, voilà, je kiffe la vie, c'est tout, je suis comme ça, je suis content, voilà, nouvelle vidéo. Parce que moi je sais ce qui va se passer, vous, vous savez pas encore. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas être tout seul dans cette vidéo. J'ai souvent une problématique en fait, c'est que quand je fais des sons, il y a souvent des moments où j'ai envie de guitare. J'ai envie de petits riffs de guitare, de petites mélodies à la guitare. Sauf que les guitares, elles sont éclatées là-dessus. Donc voilà, ce qui fait que je m'en sers pas souvent. Même jamais en fait. Et du coup, ça me manque un peu. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. En fait, je vous le dis tout de suite, j'ai aucun concept. Ça va être dans la même trame que un son en une après-midi. Sauf que ça va peut-être être deux sons ou trois sons en une après-midi, j'en sais rien. On va voir à quel point on est chaud. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais accueillir un duo composé de Samy et Clément. Leur duo s'appelle ZS. Et du coup, voilà, ils sont tous les deux guitaristes et bassistes. Ils ont un duo. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'ils font. De toute façon, on va en parler avec eux. Mais du coup, voilà, ils ont ramené tout ce qu'il faut. Il y a une basse, il y a une guitare sèche, enfin électro-acoustique et une guitare électrique. Et on va commencer, je pense, par de la lo-fi. Pour commencer à connaître un peu mon amour pour la lo-fi. Donc, je pense qu'on va essayer de faire une grosse prod lo-fi. Et puis après, on verra. Peut-être qu'on fera sûrement partir en cacahuète, ça va partir dans tous les sens. Il y a pas de concept, je vous l'ai dit, on va juste voilà kiffer à trois, on va faire du son là pendant une après-midi en espérant que ça vous plaise. Donc voilà, continuez de vous installer. Robert, tranquille. Donc voilà, écoutez, on va pas perdre plus de temps, je vais accueillir tout de suite les deux invités, donc Samy et Clément, aka ZS. Bonsoir. Salut, ça va? Ça va? La forme? Salut. Tranquille? On a mis une heure à arriver, t'as vu? Ouais. Ah, sacrée route, hein. Puis en plus, vous arrivez, tout est déjà branché et tout. Ah ouais, t'as vu. Ça, merci pour cette préparation incroyable. Bon, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Bah écoute, tranquille. Merci. Bah avec plaisir. T'expliquer un petit peu ce qu'on allait faire, même s'il n'y a pas de concept. Ouais. On va découvrir en même temps. J'ai dit voilà, on va faire de la musique, voilà. Et tout se passe bien. Du coup, vous avez une petite actu en ce moment, des trucs, des projets qui sont sortis, des. Bah, un ouais, clip, un truc ouais, que les gens. On travaille, hein. C'est en ce moment que c'est en train de se faire. Quoi. Ouais. Mmh. Donc, du coup, on a déjà un premier EP qui est dispo qui s'appelle Sox. Il est sorti il y a quasiment 2 ans. Ouais. Top. I'm too crazy for my job, and I'm too scared to do it all, and I'm too weird to become like y'all. Sox, du coup, qui s'affiche ici sur ma main. Voilà, super. Vous voyez quoi, ce professionnel? Il s'affiche là aussi, apparemment. Et ouais, donc il est sorti sur toutes les plateformes, toujours disponible. Et là, on travaille sur effectivement un prochain projet. Ok. Donc, n'hésitez pas à nous follow, évidemment, si vous voulez avoir un projet un peu. Il y a une petite. Tu veux une petite info croustillante? Vas-y, vas-y. J'en ai pas. Un prochain projet, ça pourrait être n'importe quoi, le format peut-être. Ouais, ouais. Ouais, bah vas-y, ce sera un EP. Un EP. Ouais, deuxième EP. Ok. Bon, bah parfait. Bah du coup, j'ai annoncé déjà qu'on allait commencer par de la lo-fi. Bah du coup, voilà. Hein, écoute, ouais. Allez, 3-4. Hein. 3-4. Déjà, on va choper le BPM. Ouais, de ouf. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, la lo-fi a été étudiée pour avoir le BPM du rythme cardiaque. Ah. Pour que ça soit vraiment. Moi je suis à 2. Bah nickel, on a qu'à faire la moitié, c'est-à-dire 1000. J'ai le rythme cardiaque d'un paresseux. Ah ouais, moi d'un parisien. J'avoue. Alors tu sais, nous on déconne, mais lui là il est vraiment en train de checker. Ah ouais, moi je tiens. Hein. Attends, vas-y, je me casse. Et ça donne 75. Ouais, on est 75, je veux dire 75 quand même. Et tu veux démarrer par une drum ou tu l'as fait en dernière général? Je commence jamais par la drum. Tu commences jamais par la drum? Non, je joue avec toujours d'abord ma mélodie en premier, je trouve les accords. Ah, je trouve avec le truc. Un clic, du coup tu. Ouais, ouais, j'ai le. Je vais mettre ça là. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, bah mec, c'est toi qui l'as dit. Hein. Attendez, on va quand même voir. Je vais écouter un truc de lo-fi pour voir si c'est. Sinon, je vais taper juste BPM lo-fi. Puis... Entre 70 et 90. Ah, bah tu vois. Non, ouais. Mais c'est fou, 70 et 90. Ça dépend si t'as un. Ça dépend si t'es. Ouais, si tu fais de l'hypertension, oui, tu vois. Si t'as des maladies, si t'as une disposition génétique. Si t'as un rictus, peut-être que je vais monter à 90. On sent tout de suite que. Ah bah ouais. L'air est humide. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment. C'est le stress plutôt.
Bah du coup on est ouais on reste sur 75 alors. Toi c'est un peu lent pour toi, je suis sûr que genre toi t'es tout davantage. Plus, plus 80 ouais. Ouais 80. 80 okay. Et bah parfait. Et bah merci. Merci. Merci à tous, allez, à la semaine prochaine. Moi je verrais bien un truc avec alors c'est le moment où tu t'es très ridicule parce que tu le fais à la bouche. Ok ouais. Un truc en mode un mélange de notes déliées et avec un accord genre. Exactement. Faut que ce soit un peu nostalgique, c'est ça, c'est nostalgie mélancolie, tu vois, le lo-fi. Ambiance coin du feu quoi. Il pleut dehors. Ouais. Ça sent les crêpes. Ah ouais mais c'est ça, c'est ce qu'il faut. Exactement. Voilà pourquoi je voulais de la guitare les gars, vous comprenez maintenant ? Vous comprenez un peu ma problématique, pourquoi je voulais absolument de la guitare ? C'est, voilà, c'est juste, on peut pas imiter ça avec un piano quoi. Tu veux qu'on règle ça déjà ? Et j'ai vraiment envie de mettre un bruit de verre d'eau. Ah bah mec, franchement... Faire couler un peu de l'eau là. Ça va être trop bien, franchement. Là-dessus, tu vois, j'ai... Tu peux rentrer tes centres là-dedans. Déjà, j'ai des bruits un peu comme ça sous-marin, tu vois. Ah ouais. Après, j'ai... T'as pas des vagues ? J'ai de la pluie. Ah ouais. J'ai ça. C'est limite de vinyle en fait ça. Ça y est, on met de la lo-fi. Voilà. Merci, merci, bonne soirée. Vas-y, j'essaie de mettre juste une boucle de ça, attends. Ok, mais la prise a été. Hein, mais pour une intro, ouais, la prise était parfaite. Mais pour une intro, je pense qu'il faut se cantonner à ça, tu vois. Et après, on peut limite faire une deuxième boucle. Ouais, ou rajouter ça. Peut-être Clément le fera ça, tu vois, lui à la. Ou alors il fera juste un solo, je sais pas. Vas-y, ça marche. Vas-y, on la refait comme ça. Faire deux boucles différentes, tu vois. Là. Une première toute simple et la deuxième ou un peu glow up, tu vois. Ok. Un peu... Et 2 et 3 et 4. Ça m'a fait penser à un truc, je sais pas, j'avais un truc en tête tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle Justin Nozuka ? Oui. Est-ce que vous... Ancienne, par contre. Oh, wow. Avec, je sais plus avec qui il chantait. Avec une meuf, une française. Il a fait un truc avec ouais, une française. Ouais. Avec Zao, non ? Oh mama. Ah ouais, bah ça c'est époque fragilité, hein, pour moi. Du coup, on est bon sur cette... Est-ce que je plaque les accords de la même manière là ? C'est genre dans la vibe un peu. Genre tu peux régler ouais, le volume de ça, genre tu mets vraiment tout léger. C'était quoi déjà ? Liquid Dream. Liquid Dreams. Ouais, c'est ça. Taste our new Liquid Dreams.
Oh la pub, ouais. C'est américaine. Now available. On AMC, the world of TTVT. Non, c'est pas assez magique. Non. Il est trop fort, peut-être. Peut-être un truc dans... Moi je veux de la magie, je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Ouais, moi c'est la batterie, je sais pas comment on va faire la batterie, tu vois. Il faut faire un truc genre très... tu parles en termes de sample ou en termes de rythme? De rythme. Un truc genre, tu sais, comme si on avait un effet avec santé, tu vois, je sais pas si t'as écouté... C'est limite une moitié de hip-hop en fait, tu vois. Ouais, ça, tu vois, genre... Non, je crois qu'il y a même pas de... Ouais, le... ouais, 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 tu vois, faut que, tu vois, genre... Non, mais même pas de charler à la, ouais, à la croche, c'est... Ouais. Ouais, ouais. On part là-dessus ? Ouais. 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 Oui, oui, Jean-Marc, oui, c'est oui, oui, oui. Estelle, c'est non. Je vais le faire, ça fait chier. Ça va être le running gag devant le faire ça. Cédric, la Jeep tout courait. C'est oui. Oui, monsieur. Oui, ah oui, 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 là, 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 absolument. C'est la Jeep tout courait. Tout courait, très bien. Chaque style, la cloche, dans tous, ouais, les styles. Elle passe dans tous les styles. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que... Une basse, hein, non? Ah oui, oui, ouais, bah oui, ouais, clairement, ouais, clairement une basse. Oh look, it's Brian! Hey Brian! Yeah, what's up, man? Yo, yo, yo! Hey, what's up, man? Yeah? Non, c'est ça, non. Horrible. Ouais, c'est vrai que c'est chaud, en fait. Alright, c'est trop dur, c'est hyper déstabilisant. Ça va être l'heure du solo, messieurs dames. Thank you.
bah première mission accomplie. Est-ce qu'on fait un deuxième son qui n'a rien à voir ? D'ailleurs, j'ai pensé à une suite d'accords là. Qu'on rajoute sur ça. J'aimerais faire de la batterie avec sur la. Ouais, alors après, je sais pas ce que ça va te rendre à l'intérieur du coup. Mais non, mais sans, sans le rec, tu vois. Juste en rec de là, tu vois. Ah ouais, genre. Après, je vais venir la percu guitare et après le kick, la brasse parce qu'il y a ça. Ça, ça, c'est une piste à part entière, je pense que tu peux la baisser. Ouais. Ok, donc je fais une intro. We'll be right back.
moi j'ai règle. Ah ouais. Du coup, j'ai abonné quand même au fort. Ah ouais. Ah ouais. C'était bien. Bon, c'est une mission rondement menée. Hein. Bon, bah voilà, une prod lo-fi, une prod. Folk. Une prod que sais-je. Folk, ouais. New folk. On va la garder en tête, ça. Je pense que ça peut être pas mal. Ça. Écoutez, on est sur une fin de vidéo, fin de concept. Ouais, okay, oui, de... oh ouais, ça y est. Ça. Grave, bon. Ça emballe, ça y est. Bah, écoutez, avec plaisir, on s'est bien régalé. Ouais, de ouf. Ah, j'ai jamais fait ce format là, genre. De ouf. Un son. Une heure, t'es... Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'on aura pu se faire chier, mettre des paroles et tout, quoi, mais... Ce sera le deuxième épisode. Ouais, si ça vous a plu, dites-le-nous. Abonnez-vous, mettez des commentaires, tout ça, dites-le-nous. Et si vous êtes chaud, on fait un deuxième épisode avec des paroles, avec tout ce qu'il faut, quoi. Et tu poses un texte. Ouais. Et je pose un texte, ouais. C'est imposé devant tout le monde. Ouais. Ça devrait venir un jour, peut-être. Mettez mais... des commentaires si vous voulez que Jawai pose un texte. Ouais, ouais. Ça viendra, je pense que ça viendra... Ouais, c'est ça, comme ça je suis prisonnier de ma propre vidéo, tu vois. Bon, en tout cas, grave cool, merci à vous d'être venus, les gars. On rappelle l'EP Sox. Ouais, Sox qui est sur les plateformes, j'allais dire les platines, mais non, pas du tout. Voilà, ouais. Allez streamer Sox à toute berzingue et on attend le prochain projet, le prochain EP. Il y a déjà un nom ou pas? On dit que c'est secret. Parce que... Ouais, c'est secret. Ouais, ouais, c'est ça. On peut pas le dire. Le nom bientôt révélé. Mais ok, trop cool. Bah ouais, écoutez, rien de plus à dire. Hein. Dites-nous en commentaire, machin. Allez vous abonner à leur page. Alors, je vous mets leur Instagram là, quelque part. Ici, ça me paraît correct. Il revient du plafond. Ah. Putain. Je vais mettre des heures sur ce montage, putain. Mais voilà, allez vous abonner à leur page, à leur Insta, si jamais ça vous chauffe. Et puis voilà, hein, vous avez un petit mot à dire, un dernier mot. Non, bah merci, Jawai, mec. Ça fait hyper plaisir. C'était trop cool. Ouais. Bah avec plaisir. C'était sympa. Ouais, trop bien, moi c'était. Ça, genre, sans logiciel, quoi, tu sais. Ouais, pur. Ouais, machine, c'est ça, ouais. C'est ce que je kiffe, moi, c'est d'enregistrer brut, y a pas de. Tu retaffes pas, c'est ça sort et c'est comme ça, ouais. Quoi. Trop cool en tout cas. Écoutez, on se dit à bientôt, sûrement. Peut-être on fera une autre vidéo avec ces loustiques. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawai, AZS. Salut! La bise! Bye!